Bonjour, alors j'en parlais hier au sujet du prochain Prime, hein, ça va être pour les 13 ans des 12 coups de midi, et Jean-Luc Reichmann avait annoncé à Xavier qu'il y aurait du changement, d'abord qu'il y aurait un voyage à gagner pour le gagnant, donc comme je l'ai dit hier, c'est super rigolo parce que c'est pas sûr que Xavier gagne, et ça se trouve, ça pourrait être Eric ou je ne sais quoi. Et on a appris aussi un truc, c'est qu'il a dit qu'il va y avoir du changement dans les questions. Et moi, d'après ce que j'ai compris, alors on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort, on verra ça quand il y aura le prime, ce sera vers la fin juin. Eh bien, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir des questions, si vous voyez ce que je veux dire, qui ressemble très fort à la fameuse émission qui cartonne de Cyril Ferraud. Eh oui, j'ai l'impression qu'il va y avoir des questions de logique dans les 12 coups de midi qu'il n'y avait jamais eu jusqu'à présent, mais vu que ça cartonne l'émission de Cyril Ferraud, eh bien j'ai l'impression qu'ils lui ont plus ou moins piqué l'idée, au moins déjà ça va être pour le prime, et ça c'est à voir, et puis surtout à voir ce que pense Cyril Ferraud de ce qui va se passer. Alors, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Moi c'est ce que j'ai compris. On verra si j'ai tort. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.